Laplace, Nadrahim, Aurélien Braquet. On va vous parler de notre spectacle Mon pote. Quand c'est le jour de ton déménagement et que tu as prévenu personne, quand ta moitié a décidé qu'il était temps de faire un break. Bah, en fait, mon pote, c'est surtout une histoire d'amitié avant tout. Voilà. Oh, ouais, voilà, mais je t'appelle, je t'envoie un texto. Mais bien sûr, tu me sors des trucs, tu me sors toujours des feuilles. Tu me saoules. Trou de balle. En fait, il va arriver un événement majeur dans la vie d'un des deux personnages. Qui va bouleverser leur relation. Ouais. Gros, y'a plus de café. Comment ça, y'a plus de café? J'ai cherché partout. J'ai cherché le bordel, y'a plus de café. Parce qu'en fait, ce qu'on veut raconter, c'est que les potes dans la vie, les vrais potes, il faudrait tout en fait. Les uns pour les autres, voilà, ils sont connectés, c'est à la vie, à la mort, c'est ce genre de potes dont on parle. Yes. Gros. Je te prends ton chargeur. Non. Comment ça, non? Tu t'en sers pas? Ouais, mais plus on l'utilise, plus on l'abîme. Et repose-le. Mais surtout, mon pote, c'est du fun, de l'action, de la connerie. Ça bouge. Pour résumer, dans la vie, il y a les potes, il y a la famille. Et il y a les potes qui deviennent la famille. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est nous les potes, c'est d'accord. On va la refaire. Attends, mais depuis tout à l'heure vous parlez. Eh ben ouais, parce que c'est clair, c'est bizarre. C'est mon pote de 20 ans, c'est pour mon pote de 20 ans. C'est pour mon pote dégueulasse, c'est mon pote papin. Pour mon pote le plus vilain, pour mon pote le plus con. Pour mon pote terre à terre, pour mon pote sur Pluton. C'est pour mon pote chargeur et mon pote dyslexique. Mon pote à qui ma pote a dit non, mais qui persiste. Pour mon pote chômeur, mon pote qui travaille. Pour mon pote kicker.